On ne dit pas à tout le monde qu'on est bien. Voilà. Le mauvais œil. Se protéger contre le mauvais œil, ça implique quoi? Que tu fasses attention à ce que tu partages avec les gens autour de toi. Il y a même un niveau où même tes parents ne doivent pas savoir tout ce que tu fais de bien. Parce que ce qui peut arriver, quand ce sont tes parents, avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook qu'on a, ça nous fait connaître de nouvelles choses, de meilleures choses. Ce qui fait que les enfants aspirent à plus de choses que leurs parents. Supposons que tu chantes et tu as enregistré un album. Ton père ou ta mère avait le don de la chanson, n'est jamais entré en studio. Il faut la grâce de Dieu pour que... C'est pour ça que beaucoup de parents ont refusé à leurs enfants de se lancer dans la musique. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que tu te retrouves un musicien, genre, oh, tu vas rien gagner. Non, c'est parce qu'il a peur que tu arrives et que ça marche. Oncle, tante, tu lances un nouveau business, tu leur dis. Ils ne vont jamais porter l'argent pour te donner que je veux que ça marche. Tu as besoin de quoi? Même encore, même pour te patronize. En anglais, patronize, c'est parce que ça veut dire, genre... te mettre sur leur statut, parler de toi à leurs amis, ils ne le font pas. Parce que ils ont peur que ton business marche et que tu aies l'argent et que tu ne dépendes plus d'eux. C'est une émotion que même moi, je dois toujours combattre sur les gens que je coach. La meilleure version d'une personne, c'est que tu veuilles que les personnes que tu as coachées, tes petits frères, tes enfants, qu'ils fassent mieux que toi. Et Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 12. Celui qui me suit, celui qui est mon follower, tu suis ce que je dis, tu fais ce que je dis, tu dois faire plus que moi. Donc tu dois faire ce que j'ai fait et même plus encore. Donc, n'en parlons pas pour les amis. Ta copine est mariée depuis 15 ans. Elle est heureuse, tu es célibataire. Elle est bien contente parce que toi tu es célibataire, elle est mariée. Maintenant tu rencontres un homme. S'il est plus riche que son mari, problème. S'il est plus jeune que son mari ou plus beau alors, si entre vous ça va, combien de fois les femmes sont allées derrière dans mes relations pour être gentilles avec ton gars. Oh, non, là, je vais organiser, ça fait plaisir. Donc, le mauvais œil est partout. Tu crées même ton activité, tu ouvres le magasin. Les gens aiment quand ils viennent, ils voient qu'il n'y a rien. Elles ne vendent pas. Tu fais le direct. On vient sur ta page, on veut voir que tu as deux personnes dans ton direct. Parce qu'on voit 1000 personnes connectées, on voit 10 000 vues, ça leur fait mal. Et le mauvais œil, c'est quand les gens voient que tu es en train de progresser et dans leur cœur, ils ne te portent pas bien. C'est pour ça que souvent, quand on te demande, est-ce que ça va? Ah, ça va. Déjà, pour ne même pas mentir, j'évite même certaines personnes. Pour ne pas mentir, je ne dis même pas. Je ne montre même pas. Mes statuts sont vides. Vous ne voyez. Et je ne montre plus ce que je fais sur mes statuts. Soyez sages. Quand on vient, on voit seulement ce que tu es en train de faire. Il y a même les bailleurs qui sont jaloux de leur locataire. Il y a les bailleurs qui sont jaloux. Quelqu'un te loue la maison. Il voit, tu arranges la maison. Tu fais, il vient. Oh, j'ai augmenté le prix. La nuit même, souvent, il vient sur le toit, il te dérange. Faites très attention. Je sais que notre génération veut toujours montrer. Il y a même les gens qui, quand ils voient que tu es belle comme ça, ils appellent les boutons sur ton visage. Hop, c'est le problème. Ça l'énerve. Faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Tu commences une relation avec quelqu'un. Même pour ça va entre vous. Ah, il est de son côté là-bas. Alors que hier nuit, vous étiez ensemble. Vous avez mangé le chocolat la nuit dernière. Pas besoin de dire aux gens. Arrêtez de montrer votre bonheur aux gens, s'il vous plaît. Je voulais faire tel business. Il y a les gens que dès qu'ils apprennent ce que tu veux faire, ça ne marche plus. Parce qu'ils sont puissants dans le mauvais œil. Seulement ces émotions de jalousie-là, ils méditent ta perte. C'est une flèche spirituelle dans ta direction. Quand vous écoutez ceci, je retourne à l'envoyeur tout mauvais œil dans votre direction. Je déclare que toute personne à qui vous vous exposiez toujours, je coupe ce besoin que vous avez de toujours aller vous exposer à ces personnes. Et bonne fête des pères. Il est au supermarché. Un homme me voit. Dites même au père bonne fête, non. Bonne fête des pères, ok. Et bonne fête aussi, bonne fête aux moutons, aux musulmans. Inch'Allah. Soyez bénis.